Are you ready? Oh yeah, oh yeah! Sur le corner en direct, sur Facebook Live, chaque lundi de 19 à 21h, le podcast hip-hop numéro 1 à Montréal. Maintenant en rediffusion sur les ondes de CJMD 96.9 FM Lévis, chaque dimanche dès 20h. On vous attend et ce rendez-vous. Oh yeah! Ça vaut 3 piastres pis que mon rap vaut pas de la marge. J'ai le flow qui coule pour réveiller 2-3 consciences déjà dans marge. Le reste c'est fake pis ça c'est vrai, les livres d'histoire. What's poppity pop, ton boy Nooch, Word Up X, saison 1, épisode 1. Quand je dis Word Up, vous dites X, Word Up X! Fou battle going down, c'est le premier battle du Word Up X. Les deux gars ont fait leur preuve aux auditions, le MC of the Night et le number one contender juste après vont s'affronter pour savoir c'était vraiment qui le dopest MC des dernières auditions. Sans plus tarder, je les laisse se présenter à ma droite. Hey yo, est-ce qu'on m'entend bien jusqu'au fond de la salle? Ouais! Yeah! Le nom c'est Vince! Lui, un imposteur! What the fuck, guy, caron? J'espère que t'es prêt, Nicolas Gabriel! Let's go! À ma gauche, le MC of the Night aux dernières auditions! Je te laisse te présenter! What's up? Anciennement MC Gaël Caron. C'est pas vrai que je m'appelle Nicolas Gabriel. Je vais arrêter de faire semblant. Mon vrai nom, c'est pas MC Gaël Caron, c'est Victor Leblanc. Antique quartier ville, let's go. MC Victor Leblanc, t'es à droite, pile ou face? Face. Ouais. C'est face, tu commences ou il commence? Vas-y donc, l'ami. Pose Victor, hein. OK. Yo, y'all ready? Quand je dis word up, vous dites X. Word up! X! Let's go! Yo! Je viens dropper des lines de feu. Je suis libre de faire ce que je veux. Je voulais dire que tu frappes ta femme, mais on m'a dit que les jokes de violence conjugale, c'est un peu tiré par les cheveux. Oh. Mais là, faut que je te montre. T'as une image de con. Tu fais office de con. Comme dirait Michel Bergeron, notre équipe est trop dure à jouer contre. Tu tournes en rond, de round en round. Je viens te réduire en cendres. Tu pensais me vaincre, mais t'es un dingue si tu croyais qu'on allait mourir ensemble. Tu voudrais percer en France, mais tu vas perdre ton pari. Tu veux afficher tes vraies couleurs, mais là, ta tête te trahit comme un Crips qui rougit. Bitch! T'es complètement fou, fou braque. Je t'ai vu te prostituer sur Canada Black TV, pis y'a du monde qui criait doudou crack. T'espères me sortir des gros punch, mais tu sais même pas te battre quand ta blonde te dit que je vais te taper dans l'œil. Ah ben ça c'est vrai, c'est parce que je les cock slap. Ouais. Y'a personne qui va prendre ma place, même si je pars à la chasse. Surtout pas la femme de ménage du battle rap qui est prêt à vendre son amour propre pour de l'argent sale. Mon flow y est clean, ton flow y est tout sale, tout bad. T'avais des bonnes intentions, mais finalement t'es juste une honte comme le film de Tupac. Talk! Fait continue de jacasser, puis je vais te shooter au peroxyde. Puis si les side chicks que tu fous sont plus têtes que ta blonde, ben c'est parce qu'ils ont 9 ans puis qu'il y a un pédophile. Ok, yo! Là on va appeler un chat, ce gars-là c'est un vrai chien des bois. Si vous vous demandez pourquoi ça sent autant la merde, c'est parce qu'il vient de se chier d'un bas. Chris, je comprends que c'est triste. T'as vécu ton enfance en centre, tu trouves la vie trop tough et demandante, mais ça serait trop te demander de te laver. On dirait que tu te parfumes moi, j'ai une plotte de mendiante. Sur Facebook, il m'a dit rentre-moi dedans, je peux en prendre. Bye, masse. Là, je te dis tout de suite, moi pis les gars qui pissent assis, on traîne pas ensemble. T'es tellement soft que quand tu fais une jambette, c'est même pas une jambette, c'est un croc en jambe. Bref, devoir t'affronter, ça me fait plus chier que quand je devais pratiquer mon solo de flûte. Pour plus jamais avoir à te revoir, je serais prêt à boire chaque matin un shoot de vomi de pute. Tasty! Sexy! À droite, it's on you quand tu veux. Let's get it! Ok, dans la vie, j'suis un gars ben gentil, mais tes chances de win sont anéanties. Man!
sont anéantis, man! T'es qu'une banale plaisanterie! Et il y a une couple de semaines, ils ont retiré du YouTube le bardol qu'a fait place Saint-Henri. À bien y penser, la raison est cute, mais d'une idiotie telle, il fallait que j'en rie. C'est de nos jours avec les interwebs et le bouche à oreille, est-ce que j'ai compris? Gaël Caron, c'est pas ton vrai nom? Quoi? No shit! Hey, tu supposais être un concept hostile de ton calice, prendre le nom de ton meilleur ami au risque que sa blonde se fasse 10? What the fuck, man? Hey, m'en dis pardon, sale bitch, ou quand le galon de la vitre, il m'arrive pas à cheville, s'il bat dans le rap Kev, c'est Brad Pitt, il se tire dans le pied, t'es le talon d'Achille! Tant qu'à vous, quand ils ont délit ton audition, tu t'es senti pas mal moron, mais il aurait fallu que tu y penses avant qu'il y ait du sang sur la blonde du vrai Gaël Caron, right? Et puis à ton audition, hey, quand Rocco a dit que ton nom t'est lame, toi puis V-Rock, vous avez eu comme une montée de lait. Hey, vous vous pouviez de rire aussi. Vous aviez surtout pas l'air de deux rappeurs exemplaires. Non, vous aviez juste l'air de deux petits Chris de schnappants qui avaient réussi un coup pendable dans le sous-sol de votre grand-mère. Vous pensez tromper qui, là? C'est pas Noël, mais un cadeau du ciel de battle, ce gars-là. Il se cache derrière son copain pour se battre, c'est malsain, Nicolas. Victor, right, finalement? C'est malsain, Nicolas! Toi, MC of the Night, ça l'a servi à rien, t'as juste brûlé ton bread avant de faire tes adieux, il aurait fallu, tu t'assures, t'éclabousses personne en crissant ton grippin dans ton bain, Mathieu! Ah, pis fuck les leçons de vie, aucune raison, je laisse en vie! On chauffe pas le dehors, man, je veux qu'on ferme la porte! Je vais faire peur au crowd, man, je suis cold as fuck! Le battle rap, c'est des kids qui jouent une game depuis le début! Brrrah! T'es mort, sinon je joue plus. Good time. Good time. Yeah.